Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc, on va faire encore un épisode de construction, je pense. J'ai envie de partir sur un robot, donc on a pu en voir un certain type de robot en fait dans le précédent épisode. Et donc du coup, j'aimerais un petit peu me baser dessus, entre guillemets. On va bien voir ce que ça va donner de toute manière. Hop. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, on surélève et on y va. Ok, alors, hop. 1, 2, 3. Ok, non, ici on va plutôt mettre ceci. Hop. Voilà. Hop. Des cubes normaux classiques de chaque côté. Hop. Crac. Voilà. Et enfin, ceci pour aller ici. Ok. Voilà, ça c'est fait. Déjà. Ensuite, moi j'aurais aimé, alors là je vais faire une petite dépense, ça devrait pas être trop cher, hein, mais... Hop. Ah, 3700 pièces, hein, vous allez pas m'emmerder avec ça, chers amis. C'est pas... Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié le TX. Ah oui, exact, il m'en faudra un peu plus. Hop. D'ailleurs, j'imagine que oui, il n'en manque une de ce côté-là, donc il m'en faut encore une. Hop. Ça fait bien que c'était un long road. Hop, parfait. Donc. Plutôt celui-là, hop. Crac. Voilà. It's a long road. J'ai cette chanson là dans la tête, c'est Rambo, chers amis. C'est l'éclat. Alors. Hop. Et là vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait le Marcus? Il a pété une durite. Oui, 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 j'ai pété une durite, hein. C'est pas nouveau, hein. Hop. Et là ça c'est pour les calculs, chers amis, hein. C'est juste ça, hein. Hop. Ça c'est pour les maths. Voilà. Remarque, non, je peux mieux faire ça pour les maths entre guillemets, hein. Je peux m'en acheter déjà quelques-uns, ça coûte pas cher. Hop. Crac. 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 Et là, je les ai tous. Ok, hop. Voilà. Hop. Ok, de ce côté-là, on est bon. Maintenant, l'objectif, c'est de permettre, entre guillemets, le placement d'autres cubes en plein milieu pour en faire un truc joli. Donc, c'est plutôt sur l'extérieur, hein. Donc, techniquement,
Ok. Voilà. Léger lag. Hop. Ok. Hop. Voilà. Donc déjà de ce côté-là, ça c'est fait. Maintenant, faudra voir. Ok. Jusqu'où je ne peux pas. Voilà, jusqu'où déjà ça, hop, ça c'est bon. Ok. Ok. Je pense que je vais faire ça comme ça, hop. Ok. Ok. Hop. Encore une fois, ça c'est de l'esthétique, chers amis, je suis désolé. Hop. Hop. Ok. Et donc tout ça, déjà ça peut se supprimer. Ok. Honnêtement, maintenant. Voilà, c'est ça que vous voulez vérifier. Ok. Alors après, par contre, c'était pas le meilleur choix de cube que j'ai pu faire. Je précise. Mais on verra le moment venu. En fait, si je voulais mettre un cube comme ça, je place un cube comme ça. Hop. Ce serait moche. Ce serait moche. Ce serait moche, ce serait moche, ce serait moche. Comment je pourrais faire? Non, non, j'ai pas le choix. C'est justement, c'est forcément un cube comme ça. Ok. Hop. Donc on refait la même chose de l'autre côté, hein. Forcément. Voilà. Est-ce que je me trompe? Oui, je me trompe. Voilà, c'est celui-là. Toujours vers l'intérieur. Voilà. Voilà. Je me trompe pas, on est d'accord. Ah. Il y a une couille dans le pâté. Il y a une couille dans le pâté, il y a une couille dans le pâté. Non, apparemment c'est bon, c'est 2 et 1. 2 et 1, et là j'en ai un de trop. Parfait, c'est bien ça. Hop. Ok. Hop. Parfait. Maintenant on refait cela. Crac. Vous bien, hein. Il vit bien quand même derrière, mais...
Tac. J'espère juste une chose, c'est de pas avoir à en refaire un. Ok, là on est bon. Là on est bon. Maintenant. À quoi est-ce que je veux que ça ressemble? Je pense que je vais pouvoir en faire que sur un côté pour l'instant, voilà. Toutes les faire comme ça, ce qui va me faire gagner du temps. Oh merde, c'est pas le bon cube que j'ai supprimé, fais chier. Hop. Voilà, et là normalement. Merde. Hop, voilà. Hop. Et hop. Ok. Pareil au-dessus maintenant. Ah, pourquoi ça veut pas? Ah, ça veut pas au-dessus. Ah ah. Ah ah. Problème. Nous avons un problème. Hop. Si je voulais le passer comme ça, ne passerait pas non plus. Donc. Hop, j'ai fait de la merde. Changer, hein. Hop. Et bon. C'est comme ça qu'on apprend, chers amis. Hein. De toute façon, Robocraft, c'est un jeu qui nécessite de se tromper, hein, entre guillemets, plusieurs fois. Hein. Dans la construction de ces robots, c'est normal. Hein. C'est pour ça qu'il y a même une phase de test, entre guillemets. Hein. Hop. Voilà. Toi, par contre, tu reviendras plus tard. Merci. Ici, pareil. Hop. Ok, on y va. On reprend. Ok. Pareil en dessous. Hop. Ok, là c'est bon. On remet les cubes. Hein. Ah bon, je pensais que ça allait les remettre tous dans le bon sens. Moi. Bon, c'est pas grave. D'accord, faut que je trouve que juste que je trouve le. Normalement, le prochain est bon. Voilà. Celui-là, il faut que je fasse tourner. Le prochain est bon. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Vous voyez, ça rentre. Ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Alors. Et là, est-ce que ça passe? Ça passe, parfait. Mais du coup, je suis en train de me demander si j'aurais pas dû justement. Blablabla. Ok. Jusque là, ça passe. Jusque là, ça passe. Ça passe encore. Celui-là il va se placer là. Ça, ça se place là. Normalement là ça se place plus. Voilà, c'est ça. Ok. Alors. On vient refaire la même chose de l'autre côté. Hop.
passer, hop. Ah. Crac, déjà ça c'est bon. Ensuite. Là ça ne veut plus, là ça ne veut plus, c'est normal. On l'a bien vu tout de suite. Hop. Hop. Ah mince, j'avais... Hop. Voilà. Crac. Voilà. En dessous, normalement, ça devrait être bon. Hein. Hop, tu viens nous assurer en plus une protection assez importante, normalement. Vu que ce sont des cubes qui sont pas, enfin, vu que c'est assez densifié, vous voyez, hein, c'est. Hop. Donc voilà ce qu'on peut pas. À quoi on peut pas, entre guillemets. Hop. Accrocher. Et je trouve ça plutôt stylé ce que je viens de faire en fait. Et donc du coup, il ne me resterait plus qu'à en rajouter un, c'est possible. Non, alors c'est plutôt un de ceux-là qu'il faut que je rajoute, c'est ça? Ah bah non, il veut pas parce que c'est pas un... Oui d'accord, oui je comprends. Bah, il devrait normalement pouvoir... Attendez. Ah c'est pas mal non plus, ça fait une espèce de couronne. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je vais vous passer le fait que je recopie ça sur les autres, sur tous les autres, sur les, tous les autres angles en fait. Et je vous retrouve tout de suite, voilà, à tout de suite chers amis. Heureux, chers amis, normalement c'est bon pour ce qui est des extérieurs entre guillemets. Maintenant j'aimerais m'occuper de la partie centrale. Hop. Vous pouvez voir ici. Il va falloir rembourrer un petit peu. Hop. Vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Hop. On ira au centre, mais c'est pas pour tout de suite. Hop. Ok. Voilà. Hop. Maintenant qu'elle est un peu rembourrée, j'ai besoin de savoir au niveau. Attendez, j'en ai mis combien derrière? J'en ai mis 3 derrière, je peux en mettre 3 devant. Hop. Ok, hop. Maintenant, est-ce que, comme beaucoup de joueurs, je peux mettre ceci? Il semble que c'est pas trop, trop mal. Maintenant, il faudrait que je le mette dans le bon sens. Hop. Hop, voilà. Je vais prendre un autre cube maintenant, s'il vous plaît, histoire de voir ce que ça donne. Ok. Ah, ça tombe bien parce que j'avais, je commençais à me demander si je devais pas justement supprimer ce troisième rang. Alors, est-ce que justement je ne peux pas mettre un cube, toujours dans le cadre esthétique? Est-ce que ça renforce ou pas la chose entre guillemets, si je puis dire. Et le but c'est quand même d'avoir un robot qui est assez tanky, hein. Si je veux pouvoir l'emmener en... Hop. En comment, en team deathmatch. Ok. Pardon, misclic. Je suis bien centré, on est d'accord. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, à l'heure actuelle, ça me donne 1277 flops. Qui est loin d'être mauvais, hein. Nous sommes par contre sans protection, sans la moindre protection. C'est ça le seul véritable point noir pour l'instant de ce robot. Est-ce que je peux, à ce robot, par exemple, est-ce que j'ai... Alors déjà, chers amis,
J'y ai pensé qu'un peu plus tard. Est-ce qu'on peut l'alléger un petit peu? Hop. C'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça de prix, chers amis, entre guillemets. Hein. Hop. Hop, hop, hop. Ok. Ok. J'aimerais, voilà, merci. Essayer autre chose aussi. Est-ce que justement je peux lui rajouter? Non, pas le moindre. En tout cas, pas de cette manière. Ok, non mais c'était pour tester hein. Trop gros, pourquoi pas. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit trop gros hein. Mais bon, c'est comme ça. Et hop. Et voilà. Alors maintenant, est-ce que niveau armement, je peux rajouter des choses? Là, nous sommes à 4 heals et je peux en rajouter encore quelques-uns. Alors. J'en ai encore un de façon en stock. Du coup, je ne peux en rajouter qu'un seul. Donc, ce n'est pas forcément une grande nécessité. Alors, je vois pas trop l'utilité de ce robot, mais bon, on verra bien le moment venu quand on sera en combat. Hein. Bon, bah écoutez, il nous reste 115 flops. Qu'est-ce que je peux rajouter? Qu'est-ce que je peux rajouter, chers amis? Hop. Tête de face. Hop. Tête de face, peut-être que je peux rajouter des choses. Note 9 CPU, c'est dommage, ça aurait été pratique. Bon. Bon, on va le peindre, on va bien voir ce que ça vaut. Hein. De toute façon, je me suis planté, hein. Le ciel est souvent bleu. Hop. Enfin, en tout cas dans Robocraft. Soyons honnêtes. Il est souvent bleu dans Robocraft. Ok. Rien ne nous empêche d'en faire un truc joli non plus. Hein. J'aurais peut-être pu faire la même chose de ce côté-là que de l'autre côté. Mais bon, on a plus assez de cubes pour ça. Ok. De chaque côté, j'aurais pu le faire. Mais bon, non, c'est le côté central, celui qui rapporte, enfin, qui accroche au centre. C'est pas plus mal de l'avoir fait sur, uniquement sur celui-là. Bon, je m'en veux pas, entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça, je ne m'en veux pas. Hop. Là, j'avais dit que ça faisait une couronne, alors fuck it. Hop. Voilà. Bon. Eh ben, on a plus qu'à l'emmener en... Alors, est-ce que je l'emmène d'abord en... Ouf. Battle Arena, c'est parti. De toute façon, je pense pas qu'il ira en team deathmatch. Honnêtement, vu le... Le preset entre guillemets que j'ai d'armement, c'est pas fait pour aller en team deathmatch. J'aurais peut-être dû le tester pour voir s'il volait avant par contre. Ça serait peut-être une bonne idée. Ça aurait été une bonne idée si j'y avais pensé. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, je n'ai même pas l'heure, moi, chers amis. J'espère que j'ai pas l'heure d'aller. Oh, c'est intéressant ça.
Oula, par contre, on a déjà 3 copters dans le groupe. Et... et ça pue. Et ils volent pas. Je suis désolé. Ah, je suis pas barré. Ah, quelle horreur. Quelle horreur. Allez, pousse. Ça aurait été bien de l'avoir essayé juste avant. Effectivement. Bon, c'est pas grave, on va passer en mode heal. S'il va pas healer grand chose non plus. Catastrophe. Catastrophe, catastrophe. C'est une erreur de ma part. C'est une erreur de ma part. Spotted. Spotted. Your team has captured the middle fusion tower. Your fusion shield is now active. C'est une erreur de ma part. Catastrophe. Catastrophe, chers amis. Bon. Non, bah malheureusement, je peux pas. Hein. Je ne peux pas. Je ne peux pas. What? Par contre, il a fait un vaisseau hyper rapide. Ok, ils l'ont eu. Je vais avoir un gros problème. Spotted. 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 Allez, vole! Ah non, il veut pas du tout. Hein. Il ne veut pas du tout, chers amis. Ah, puis j'ai pas envie de quitter la partie. Vu que j'ai testé que les gens font ça. Spotted. Je crois que je suis bien obligé, hein, je vais être inutile. Donc bah écoutez, je reviens, chers amis, on va retourner en mode construction. Je suis désolé. Voilà, re, chers amis, c'est... je suis pas fier, hein. Je reconnais que je suis pas fier. Honnêtement, je ne suis pas fier du tout. Donc j'imagine que c'est cet armement qui m'empêche de faire ce que je veux. Soyons honnêtes, hein. Donc je dois le virer. Ou alors rajouter plus d'hélico, mais là ça va pas trop être possible. Ouais. Si je le vire. Si je le vire, déjà on va faire un test. Est-ce qu'ils veulent si je vire le gros équipement? Parce que s'ils veulent pas, ça serait con. Ça serait royalement con. Ouais. Ouais. Bon. Effectivement, il supporte pas des masses le vol. Merde. Merde, merde, merde. Oh. Enfin, j'ai bien une autre idée, mais... j'ai bien une autre idée. Alors, faut-il que je réussisse à la mettre en œuvre, littéralement. Hop. Ce cube-là va pas être suffisant. Il faut que je règle en fait de ce côté là. Voilà. Ok.
je fais ça comme ça. Déjà. Ensuite. Là. On peut rajouter au gif ça. Oh putain, j'étais pas en... Fais chier. C'est pas grave, ça va le refaire tout seul de toute façon. C'est l'arrière ou l'avant ça? Et en plus je fais ça dans le mauvais côté. Non, c'était pas le mauvais côté en fait. Haha. Haha, mais attends, y'a plus qu'à espérer que ça vole, hein. Franchement, y'a plus qu'à espérer que ça vole, chers amis. Je connaissais l'expression, hein. Plus je volo. Pourquoi y'a une différence entre là et là? D'accord, là y'en a plus. Normalement, en faisant ça, tu peux avancer le robot. Voilà, parfait. Là, je rajoute rien. Là, très précisément. C'est bon. Mais là, est-ce que je peux rajouter quelque chose au centre? Quel que soit le côté sur lequel je vais le faire, ça va être catastrophique en fait. Ça va être effectivement catastrophique. Ok, pourquoi pas. Ok. Ok. Faisons ça comme ça après tout. Hop. Et donc, c'est là que la tenue va s'atteindre, chers amis, comme on dit. Est-ce que je vais avoir... Non, je l'ai pas. Ah, j'ai pas assez d'espace. Fais chier. Fais chier, fais chier. Il m'en faut combien? 3 de chaque côté. Ah, puis on m'appelle. Ah bah, un instant. Chers amis, excusez-moi, hop, je reprends juste pour quelques instants, malheureusement. Hop, voilà, je vais avancer au maximum. Alors, vous voyez, j'ai remis ça un petit peu comme ça. Maintenant, le tout, ça va être de refaire ça comme il faut. Ah là 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 là. Hop. En espérant, tout en espérant, chers amis, aussi, que nous ayons. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Hop. Je vais ressortir, c'est bon. Crac. Hop. Ensuite. 2. 3. Voilà. Tac. Voilà. À l'intérieur, on rajoute 2 d'hélium. Et là, on va rajouter ceci. Hop. Voilà. Pourquoi tu veux pas? Parce que ça touche de ce côté là, effectivement. Ok. Bah écoute, je vais supprimer, hein. Je vais faire ce que tu me demandes, jeu, hein. Y'a pas de problème, hein.
Pense bien à garder le X, Marcus, sinon ça va pas le faire. Qu'est-ce qui passe pas là? Les autres hélices qui passent pas? T'es pas sérieux? Gars! Ou encore que je m'écarte d'une case. C'est bien, remarque, ça va pas me modifier ça. Parce que là, oui, ça m'avait modifié ça, cher ami. Honnêtement, je pensais garder suffisamment de trucs, mais. Ah, suffisamment de. Comment dire? Hop! Mais bon, c'est pas grave. Hop! L'objectif c'est d'en rajouter une troisième et voir si cette fois-ci ça soulève ou non le robot, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Hop! Je suis stupide. Hop! Tant que ça me les rajoute pas à l'avant, y'a pas de problème. Châssis, hop. S'il vous plaît. Merci. Hop. Voilà. Ensuite. C'est pas les bons. Hop. Avant, crac, puis cela, hop, hop, parfait. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Ah, j'ai mis un cube quelque part, je ne sais pas où. Ah, c'est chiant ça. Faudrait qu'il rajoute un contrôle Z en fait. Hop, voilà. Voilà pour la première surface, la première couche entre guillemets, chers amis. Elle. C'est marrant, je la sens pas cette couche. Eh oui, je suis con comme mes pieds en plus. C'est pas grave. Con comme mes pieds, mais c'est pas grave. Ok, alors maintenant qu'on en a fait une là. Faut que je vois par rapport au reste, c'est chiant. C'est chiant. Techniquement. Ah si, c'était bien ça en fait. C'était bien ça. D'accord, c'était bien la première chose qu'on avait faite en fait, chers amis. C'est bien ça. Et sur les extérieurs, par contre, c'est de 2. D'accord. 1, 2 et 1. C'est bien ça. Hop. Crac. Ce qui veut dire qu'en fait, que ça, je dois l'emmener jusque-là. Hein. Hop. J'avais chié dans la colle en fait. Là c'était bon. Ah. Normalement là c'est bon aussi.
crac. On avait dit quoi ici? Si, c'est ça. Ok, hop, hop. Crac, c'est bon. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Bon, là, on verra ce côté-là, ce sera particulier. Hop. Un, deux, trois. Hop. On va avoir refait la bande centrale, chers amis. Ouh. C'est compliqué. Hein. Je dis bien la bande centrale. Hein. Pas la banque centrale, c'est pas pareil. Bon. Honnêtement, je doute qu'on ait suffisamment de CPU pour pouvoir le faire. Hein. Crac. En plus, j'ai chié sur la banque centrale. Ok. Voilà. C'est bon. Et là, je ne peux plus rien mettre parce que voilà. Il y a le double rotor. Ok, jusque-là, je capte. Parce que derrière, il faut espérer pouvoir mettre une arme, hein. Ok. Oui, c'est ce qu'il y a partout en fait, ça c'est le principe que j'ai fait, que j'ai dû résoudre partout. Ok. Je vais pouvoir remettre ma petite couronne, remarque, ça c'est cool. À l'intérieur, on avait mis du petit. De mémoire. Hop. Hop, ça c'est fini ce côté-là. On va faire du petit encore ici un petit peu, merci. Voilà. Et là, j'avais mis ça. Bon, chers amis, maintenant il faut prier. Alors, faut pas encore prier, excusez-moi, c'est moi qui chie dans la colle. Hein, pour changer. Ok, c'est bon. Est-ce que je pourrais avoir un cube normal, s'il vous plaît? Ok. Je sais plus. Ok. Pardon. Voilà. Ok. Pas trop mal. Alors, le tout c'est de savoir si on va avoir suffisamment de d'espace. C'est ça le véritable pépin, chers amis, je pense qu'on va avoir. Hein. Je pense qu'on va rester sur 4 îles et qu'il n'y aura pas plus d'armement. Hein. Mais je peux rajouter 4 cubes si je veux là. Et vu la quantité que je devrais être censé rajouter. Bon, déjà, on va voir si ça vole. Est-ce que ça vole? C'est là qu'est le vrai test, chers amis. Est-ce que ça vole? Ah, il veut pas partir en... Ah, mais il m'a carrément planté dans le... Ah non, c'est bon. Hop, ok. On va voir si ça vole. J'espère que ça vole, parce qu'avec 3 hélices T10, pardon. J'ai failli dire TX. Alors, dis-moi que tu voles. Oh là là, le PPR, quoi. De ce côté-là, on est plutôt. Bien que. Ok. Bon, c'est intéressant sur le principe. Et ça vole.
Ça devrait peut-être plutôt être un T10 en fait, ça, à ce moment. Un TX. A voir. A voir, à voir. Ça pourrait être intéressant de le passer en T10. TX, pardon. Ça pourrait être intéressant. Mais il serait pas suffisamment résistant. Il serait carrément pas suffisamment résistant. D'accord. Bon. Bon, bon, bon. Alors j'avais l'intention de supprimer une rangée de cubes, mais je pense que c'est ce que je vais finir par faire. Déjà ça va énormément l'alléger. Hop. Au niveau des flops, on va en gagner un petit peu. Hop. Voilà, on a là, on a supprimé une rangée. Presque. Hop. Ce qui nous a fait économiser, attention. Les Athéniens s'atteignirent, comme on dit. Sauf cette rangée-là. Hop. Faire attention que je veux pas casser autre chose en fait. Voilà. Par contre, si je peux. Hop, voilà. Juste. Ah merde, j'ai cassé ce truc là, je voulais pas. Je suis con, chers amis. Ok, hop. Voilà. Là, nous avons supprimé une rangée. Nous avons gagné beaucoup de flops. beaucoup de flops. Maintenant, à savoir, est-ce que je pourrais, par exemple, si je refais reprendre le plan de base, entre guillemets. Qu'est-ce qui m'en empêche? Oui, d'accord. Donc, imaginons que je le mette, justement, contrer ce problème. Hop. Ah. Et ça passe. Mais est-ce qu'il vole? Ah ah. Telle est la question. Test, est-ce qu'il vole? Parce que là, s'il vole, c'est magique, hein. S'il vole, c'est véritablement magique, chers amis, hein. J'en doute, mais s'il vole, c'est magique. Hop. Et j'appuie. Matibainia. Oui, j'en chie, c'est comme ça. Alors, il vole. Mais est-ce qu'on peut lui rajouter un petit peu de puissance pour propulser vers le haut? Combien qu'on est de flops? 1432. Ouh, ça va être compliqué de rajouter des trucs. Ça va être compliqué de rajouter des trucs. Peut-être que je peux, chers amis. En train de voir plus ou moins comment je pourrais. Edit robot. Alors déjà, qu'est-ce que je peux... Alors, on va aller voir dans les mouvements. Ça prend combien? Ça prend 18 flops chacun. Je peux en ajouter. Attends, faut trouver le bon endroit pour les ajouter. Ça va être plus compliqué encore. Hop. Si je souhaitais en rajouter un là, ce serait possible.
que je l'ai bien mis au plus haut? Si je pouvais, j'aimerais le mettre au plus haut. Voilà. Avec ça, normalement, il devrait être déjà s'envoler un peu plus vite. Soyons honnêtes. Il devrait y avoir un peu plus de puissance au niveau de la propulsion verticale, comme on dit. Alors, faisons le test, hein, après tout, c'est comme ça qu'on va y arriver, hein. Hop. Ah. Là, il pousse. Et donc? Alors? Hop. Si je me laisse tomber et que je repropulse, est-ce qu'il tombe? Il tombe. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, j'entends pratiquement pas... J'entends pas les rotors, déjà, c'est un problème, donc c'est un bug. Donc, au niveau de... mais il, ça devrait passer aussi. Bon. Ok. Ok, ok. Oh, écoutez les amis, moi je fais une petite pause là, parce que ça fait quand même un petit paquet de temps que j'y suis. Je vous retrouve tout à l'heure. Pour vous, ça va durer une seconde. Pour moi, ça va durer un petit peu plus d'une heure, normalement. Le temps d'histoire de me restaurer un petit peu. Et puis, on se retrouvera pour faire une petite battle avec ce robot. À tout de suite. Hop. Voilà, re, chers amis. On y est. Bon, on y va. Hop, play game. On va partir en battle arena, parce que je pense pas qu'on fasse beaucoup de kills. Living Battle Before... ah oui, bah je suis au courant, oui. Je suis au courant, hein. Je suis le premier à en avoir été désolé. Hein. Mais bon, bref. Apparemment, des gens se plaignent. Bizarre, des gens se plaignent dans le chat, c'était très, très étrange. Bref, moi ça me dérange pas plus que ça. En plus, en côté de ça, j'ai décidé que j'allais faire un maximum de vidéos, entre guillemets, par jour, c'est à dire essayer de faire au moins 5 vidéos entre guillemets de Robocraft, enfin le nombre de robots qu'on a en fait de vidéos, histoire d'avoir un maximum de crédits en x2, vous savez, et on verra ce que ça donnera sur le coup. Ouais, bon, c'est un peu long, je vous fais encore une ellipse, tant pis pour l'épisode, ça va être sympa à monter, c'est drôle. Ça y est, chers amis, après plus de 12 heures, hein, on est le lendemain pour vous dire. Alors ce qui s'est passé, c'est que les serveurs étaient complètement déconnectés et même moi j'ai eu très très peur. Parce qu'on n'arrivait même plus à atteindre les discussions de Steam sur Robocraft. Donc j'ai eu énormément peur. J'ai eu les boules, chers amis. Autant vous le dire. Donc ça y est, on peut enfin rejouer au jeu. Je sais pas s'ils vont fournir une journée de premium pour ça. Je ne pense pas. Oui, donc faut qu'on ait testé ce robot en partie. Alors, connecting to server, ça devrait être bon. C'est long. C'est extrêmement long. Bah vous savez quoi, nous on va se retrouver dans une partie, je fais une ellipse et on se retrouve tout de suite dans une game. A tout de suite. Voilà, re, chers amis, on y est, on est dedans. On va pouvoir tester si l'équipement est efficace ou non. C'est parti. Faut avouer que le double équipement est peut-être particulier. Hop. Ce qu'il faut savoir, c'est que si je lâche la propulsion, il retombe. Si je lâche la propulsion, il retombe. Hop. Merde. On ne peut pas détruire, non. On va voir comment fonctionne le heal. C'est quoi ce principe? Oh là là! D'accord, le heal est complètement différent. C'est quoi ce principe de heal? C'est très différent de ce que j'avais l'habitude de voir. Bon, repassons sur le combat normal, de toute façon ce vaisseau-là ne sera pas efficace. Il ne sera clairement pas efficace parce qu'il est d'une trop lourd. Oh! Ok, ils sont nombreux. Alors premièrement, il est trop lourd. Il est même beaucoup trop lourd. Stop.
lourd. Et je suis curieux de voir ce que font les... Mais elles font pas du tout de dégâts en fait. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des heals, mais c'est pas top. Hein. Soyons honnêtes, c'est vraiment pas top. Donc, ce vaisseau va disparaître. Ce véhicule va disparaître. On fera autre chose. C'est pas grave, j'ai dit qu'on allait faire justement des essais. Aussi, nous en ferons. Oh quoi? C'est quoi ces déconnexions? On a déjà deux qui sont partis. Génial. Là j'ai plus de... Ok. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. 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 Hop les, ça c'est fait. Donc l'armement est efficace. Le robot en lui-même, le mouvement du robot ne l'est pas. Spotted. Spotted. Ok. Your middle fusion tower is under attack. Your team has captured the bottom fusion tower. Clock cycle booster activated. Spotted. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Spotted. Okay. Fait. Si vous voulez bien me faire le plaisir de crever, ce serait cool. Hop. Là par contre je suis clairement pas doué avec ce qui est de ce robot. Hop là. Spotted. Your middle fusion tower is under attack. Hop. Et ça fait des dégâts ou pas? Non seulement j'ai pas l'impression de toucher. Non, ça fait pas de dégâts en fait. D'accord. Ok, ça fait plus de dégâts du tout. Bon à savoir. Donc robot complètement inefficace. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On fera littéralement avec. Hein. Your middle fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Your bottom fusion tower is under attack. C'est bien un ennemi, on est d'accord. Spotted. Véhicule à la fois trop lourd, trop lent. Your bottom fusion tower is under attack. Je prends les dégâts. Ok. Oula. Ça c'est pas bon. C'est pas bon du tout, chers amis. Bon. Trop lourd, trop lent. Et un seul armement efficace sur les deux que j'ai mis.
C'est bon à savoir, donc ça veut dire qu'un... un vaisseau comme ça ne fonctionnerait qu'en TX. Ok, je peux pas monter plus haut. L'avantage c'est que je peux encore me déplacer même avec une hélice coupée là, vous pouvez le voir. Ok, allez on pousse. Spotted. Il a une conscience du manque de dégâts de l'armement. Oh, ça touche pas là! Bon, j'ai pris cher. Je croyais qu'il me tuerait honnêtement. Bah alors, je suis tanky hein! Si compte tenu de l'armement que t'as, je pense que tu ferais beaucoup plus de dégâts. Donc tu vois, lui il a des petites hélices. Et pas des trucs grosses. Bon à savoir. Quoi? Il y en a encore un qui s'est barré? Putain! Ouais, donc c'est mort quoi. C'est complètement mort. Oh, ça touche pas, c'est quoi ce bordel? Par contre, j'aimerais bien toucher quand je. Bon, de toute façon, c'est un cube à la con là. C'est pas la peine. Donc, ce véhicule là, le drone, l'espèce de drone qu'on avait fait, n'est pas bon. Il n'est pas efficace du tout. Pas efficace du tout. C'est bien dommage. Parce que de toute façon il est trop lourd, hein. C'est vraiment ça le véritable problème. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire en fait? C'est ça le vrai challenge entre guillemets. Oh là 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 là. Spotted. The plutonium reactor is under attack. Est-ce que je touche seulement? The plutonium reactor is under attack. Hop. Hop. OK. Ah là là. De toute façon là on a voulu le faire, il est tanky c'est certain mais il est pas efficace au combat. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Excusez-moi parce que je sais que le setup est moisi en ce moment hein, mais bon. C'est pas une excuse, c'est pas attention parce que je tape avec ma chaise de bureau. Quoi? Oh bah. Pour la peine. Hop. Ok, c'est fini ça. En un tir, je crois qu'en une rafale, entre guillemets, il m'a pété tous mes... comment ça s'appelle mince. Tous mes rotors, voilà. Hop. Est-ce qu'ils vont mettre les autres? Bon bah yes. J'aime pas le faire, mais bon. Spotted. Ok, bon bah on continue alors. Toucher, oh non, j'y crois pas. Oh putain! Oh
Faut être honnête, chers amis, à un moment. Si c'est pour me faire farmer, c'est pas la peine, hein. C'est pour ça que je reste au spawn. Hein. Oh, mais j'y crois pas! Allez, tuez-moi! Allez, vous pouvez faire mieux que ça, merde! Allez! Il commence à attaquer le. Oh là là, le farm! Hop, j'en ai eu un, c'est pas grave. C'est l'objectif. Hein. C'est l'objectif, chers amis. Ou alors. Ça y est! Wouhou! Bon! Ben, j'en connais un qui va être dismantle assez rapidement, chers amis. Le heal, on va oublier aussi. Hein. Je pense que là, c'est une bonne chose d'oublier le heal. Compte tenu de sa capacité à faire des dégâts, on va dire, entre guillemets. Après, j'ai bien une petite idée sur ce que je voudrais, sur ce que je pourrais faire, en tout cas. J'ai bien une petite idée. Ok. Eh bien écoutez les amis, cet épisode qui aura duré pour moi une éternité, hein, parce qu'il aura fallu que je dorme entre temps. On va le couper là, on va le faire terminer ici. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, d'en faire trop dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure, salut les gens, et je fais Dismantle. Hop. Et hop, et on repart dans une construction dans le prochain épisode je pense. Vous en demandiez, vous en avez.